Putain, je te vois pas derrière moi, ça me stresse. Non, c'est parce que j'arrive sur le côté en fait. Je suis en train. Tu sais, je t'ai dit que j'ai voulu dans un V17. Je t'entends. Putain, regarde. Oh, je suis un pilote. Oh, ah non. Comment? J'étais trop content de ma manœuvre. Le mec, regarde à quel point il est dégueulasse. On dirait un petit jouet d'enfant. Mec, on dirait une boîte de Pringles avec des ailes. C'est ridicule, il est immonde. Oh, il y a des bombardiers. Oh, il y a des B-52. Le mec, ça y est, il fait genre, il s'y connaît. Ta gueule, je suis monté dans un V-17 quand j'étais petit. Ouais, mais tu sais, je t'avais dit que j'avais été voir les tanks quand j'étais petit dans un musée. Ah oui. J'allais voir aussi les avions et j'ai vu un V-17 et je suis monté dedans. T'as volé dedans? Non, j'ai pas volé dedans, je suis monté dedans et ensuite lui, il a volé tout seul avec un équipage. Ils ont même largué de l'eau au-dessus de la piste parce que c'était un bombardier. Voilà, c'était la petite anecdote historique. Voilà. C'était la meilleure journée de sa vie. Voilà. Voilà, ma dite ta cool. Mère, hein, allez. Je vais t'apprendre à jouer, c'est pas compliqué. Mais tu sais même pas ce qu'est un B-17, tu vas apprendre qui quoi? Combattre! Tu vois, ce qui est drôle, c'est pas de jouer à un jeu d'avion. C'est de jouer à un jeu d'avion sans savoir comment fonctionne un avion. Ça, c'est drôle. Ah, t'es là. Attends, on se rejoint. On va se lancer dedans, Damien. Non, tu mais le voilà, sais. Attends, pas trop. Oh, putain, la vache! Pourquoi? Putain! Je sais pas qui va... sur moi. Bah, c'est-à-dire qu'un avion, ça va quand même super vite, hein. Ralentis le mouvement, je vais dire en formation tartiflette là, vas-y. Je sais attends. Même pas comment ralentir, attends. T'as jamais piloté d'avion de ta vie ou pas? Oh, bah non. Y en a un qui arrive là. Oui, en bas, ouais. Léon. Ouais, Léon Trotsky là. Mais il est à 1,7. On va attendre, je vais attaquer Léon là. Moi je suis en vue intérieure pour faire une vraie poursuite. Les déplacements que j'ai. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu l'as eu? Oui. Ah bah putain. Mais je vais me cracher. Je vais me cracher. Je t'ai vu. Mais en fait, je peux pas bouger. Mais je vais me cracher. Vous quittez votre avion dans 13 secondes? Pourquoi? Reste avec nous. Ah d'accord, il manque une aile. Oh putain. Oh lui. Je suis en chasse. Ouais, je vais venir sur le même là. Je vais venir sur le même, je vais t'aider. Je l'enchaîne. Princesse Sparky. J'ai du gasoil sur le pack. Oh le con. Ah merde, je t'ai vu, tu l'as niqué, mais après tu t'es craché. Mais oui, je me suis craché sur lui. Merde. Il m'a repéré. Oh là, la bataille. Oh, t'es dans la merde. Ah, il m'a fait trop mal. Vite, un seau d'eau à l'arrière, vite. S'il vous plaît. Je pense qu'on a gagné. Ouais. Oh, on a gagné, c'est bon. Bah allez, tranquille. Bah tu vois, pour une fois qu'on gâche pas la partie des autres. Les Spitfire. Savais-tu que les Spitfire avaient des moteurs de Rolls-Royce? Mais tu t'y connais vachement en avion, en fait, finalement. Mais disons, est-ce que tu serais pas légitime sur ce jeu, quoi, carrément? Regardez, c'est mignon, il adore les avions pour de vrai. Il y a le B-17. Il est trop content. Il y a le B-17. C'est quoi? C'est un bombardier énorme. Il y a même des mecs. Dis-toi, tellement c'est ouf. Il y avait des mecs à la mitrailleuse. Il y en avait un qui était sous l'avion, sur les côtés, au-dessus. C'était des bulles à presque 360 degrés où les mecs étaient au-dessus du vide avec une mitrailleuse. Oh, j'ai le B-17. J'espère que mon père s'y affaire de moi. Et regarde, tu vois la bulle qui est en dessous, je suis monté là-dedans. Ah, mais c'est des mecs excellent. Au-dessus du vide. Et il y a la rampe au milieu de l'avion, ça me paraissait plus gros, où tu largues les bombes et tout. Oh, c'est trop un cool. Épisode plein d'émotions pour Damien. Un petit enfant qui adorait les avions. Et d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le dire, merci à Galjin pour la vidéo. Pour d'une part sponsoriser la vidéo et pour raviver les souvenirs d'enfance. Merci Galjin. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez télécharger le jeu, là, qu'on le rappelle, qu'est-ce qu'il est? Il est quoi? Il est gratuit. Donc vous pouvez directement télécharger le jeu dans la description. Attends, je vais aller larguer des bombes sur les tanks au sol. Ouais, mais t'as pas de bombe, t'as rien. Je sais pas, j'ai une cible en bas. Ah merde, ça fait une bombe! Oh merde, j'ai largué des bombes! Je l'ai chié en appuyant sur espace! J'ai largué des bombes! Ah non, j'en ai largué une autre! Oh, je perds de l'huile sur le moteur 1, 3 et 4! Je pense que c'est la fin du film! Oh non, putain! Ok, j'ai perdu une aile, deux ailes! Qu'est-ce que j'ai comme avion, moi? Qu'est-ce que j'ai? Il y a un canoë kayak qui accroche en dessous! J'adore! Trop puissant! Faut que je tienne l'équilibre! Ok, ça peut le faire! Ok, on se pose doucement! Ah! Que quelqu'un me couvre. Ah, toi aussi, t'es énervé. Mais que quelqu'un me couvre. Merde. Bon les gars, là, oh. On va pas faire réaliste. Non, pas encore. D'abord comme ça. Ensuite, on verra. Bataille réaliste est un mode dont les missions ont lieu là où les véritables batailles de la Seconde Guerre mondiale et d'autres conflits militaires se déroulaient. Ah, bah, les joueurs sont divisés en équipes. L'avion peut entrer en vrille ou être à court de carburant et les ailes peuvent être arrachées à grande vitesse. Waouh. Attends, les ailes peuvent être arrachées à grande vitesse. Ok, j'ai peur, je vais manger une crêpe, waouh. 5 minutes later. Finalement, j'avais pas assez peur pour prendre une crêpe, donc j'ai pris un pitch. Moi, tu sais, Damien, tant qu'on parle de choses inintéressantes, j'ai un gros aft. Ta mère. J'ai un gros aft sur le cul. Qui me fait... Oh, Damien, sur les lèvres, du cul. Non, j'ai un gros aft qui me fait très mal.
On voulait se rejouer la scène du débarquement en Normandie, et on s'est demandé si ce jour-là il y avait vraiment des avions. Il y avait des avions Je suis pas sûr. Essentiellement des bateaux, si j'ai bien lu mon cours d'histoire. Il y avait essentiellement des plongeurs qui sont arrivés. Avec des masques et des tubas, sur les plages de Saint-Tropez. Mais l'histoire ne nous raconte pas beaucoup. On oublie toujours cette fameuse bataille de Saint-Tropez. L'histoire se souvient encore des bodyboarders japonais à Pearl Harbor. Du coup, il y a une vraie bataille au sol actuellement qui est en train de se passer. Je crois qu'il y a des vraies batailles au sol en fait, avec les tanks. C'est des batailles parallèles en fait. Ouais. Mais je crois que tu peux même tuer les tanks. Tu largues une bombe, tu vas voir ce qui va se passer. Hein. Attends, c'est vraiment pas de chance quand tu fais des batailles de tanks et que tu reçois une grosse bombe. C'est vraiment pas de cul en fait. Imagine, t'es là, tu joues à CSGO et il y a un avion qui passe, largue une bombe dessus. C'est de l'anti-jeu. Ah chier, putain, en fait. Mais c'est les tanks du bas qui me tirent dessus, hein! Ah vraiment? Ouais! Allez, pute! Oh, j'ai une bombe là, elle est longue comme ma bite, c'est un truc de ouf! Ah, j'ai le dos qui colle sur la chaise! Ah! Un berk! Ah, je suis tout collant! Voilà, donc du coup, moi j'ai pris l'AMX parce qu'il est français, et puis il est quand même beau quoi! Chauvin de merde! Moi j'ai pris des américains, parce que c'est les meilleurs! Alors! Voilà, on peut drifter en tank! Je pense qu'on s'est mis en plein milieu. Oh non, je suis mort. Bah oui, bah oh non, j'ai réussi putain. À repartir. Oh non, le bâtard, je vois son rocket perforer mon tank au ralenti et exploser, rebondir. L'humiliation suprême. Non mais mec, il y a un replay de comment tu t'es fait exploser ta race. Mais j'ai quoi? Il est beau le jeu, c'est horrible parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la vraie guerre. Tu sais, genre des tanks à côté de villages qui sont encore en bon état. Oui, regarde, si tu regardes bien aux fenêtres des maisons, tu peux voir des enfants terrorisés. C'est bien. Oh les pauvres, ah, c'est trop réaliste. Quoi? Alors Jurassic Park. Mais alors, mais incroyable. Faut que tu vois ma POV, c'est incroyable. C'est ouf. Le mec m'a eu à 3 km et il a frôlé un arbre. Genre, c'est ridicule. Quoi, sérieux? Le mec est un sniper. Tu savais pas que les tanks c'était ça, hein? C'est un délire, hein? Tu peux tirer Paris-Marseille sans problème, hein? C'est n'importe quoi ce qu'il m'a mis. C'était peut-être la grosse Bertha qui t'a tiré dessus. Ah, c'est une énorme Bertha, une Bertha bien obèse. Bouddha Bertha. Tout ce que je sais, c'est qu'on est en train de perdre et que si on se bouge pas. Mais ta mère! Oh merde! Attends, t'es en train de faire tomber la véranda! Ah, la véranda! C'est qui les mecs qui sont tout là-bas là? Oh non! J'étais devant moi, je t'ai vu exploser, je sais même pas comment. Oh putain, ça. BAM! Tu vas faire quoi avec ta mitrailleuse toi? Je vais te remettre un coup de canon, tu vas voir! Achève-le! Je peux pas, on va me tirer dessus. Et voilà! La salope! Parce que moi, je tire deux coups de rebut! La salope! Ah, c'est bon, on va rentrer en mode réaliste. C'est les chants de la Pologne. C'est les célèbres chants de la Pologne. C'est... Combattre 310 SP. Et en point de réapparition, 450. Me dis pas que je vais pouvoir réapparaître une seule 310 fois. 310 SP, c'est les sans-papiers. Combattre 310 sans-papiers sur les champs de la Pologne. Et si vous en combattez 310, vous pourrez rejouer. Tu sais, quand tu mets un bâton dans les roues de du vélo, tu tombes. Est-ce que si je mets mon canon dans tes roues de char, tu tombes? Ah, tu sais, je suis un soleil. Le temps qui fait un soleil. Regarde-moi comme c'est joli et champêtre. C'est vrai que c'est très joli. On n'a pas envie d'y faire la guerre. On a envie de s'arrêter et prendre un pique-nique. J'ai envie de faire un feu, d'aller cueillir des baies et de chasser les écureuils. Oh oui, quelques champignons. J'ai vu un tir. Non mais regarde. Non mais c'est quoi ce que c'est? C'était où ça? Ah mais on est mort instant en fait. Ok. Ouais, je pense que c'est mort. On peut plus réapparaître. Voilà, c'était le mode réaliste. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié le petit gameplay qu'on a fait sur le mode réaliste, qui à mon sens c'était le plus intéressant de la vidéo. Deuxième drapeau à gauche. Ok. On dit ok mon capitaine. Oui, d'accord, mon capitaine. Le mec arrive pas jamais à dire ce qu'il faut. D'accord, mon capitaine. Oh, ma maison. Regarde, votre palissade, elle est jolie, votre palissade. Il y a quelqu'un là-dedans, et hop là. Il n'y a plus de maison. Ah bah moi, tu vois, je suis pas peu fier. Même si on perd la guerre, au moins, il aura bien fait chier. Il va me tirer dessus. Aïe, putain, dans le fion. Putain, mais c'est trop dur. À chaque fois que je me montre un tout petit peu, il y a un mec qui me voit au fin fond de la map. Mais moi, j'ai été bombardé. Regarde, lui comme lui, là, on a qu'à se garer, on attend la fin. Bah ouais, regarde, il est pas con. Salut. Tu fais quoi? Eh. Eh, c'est la guerre. Tu veux pas jouer? Je... Avance. Nope. Oh, c'est quelqu'un, il est mort. Attention, un obus à côté de toi. Il y a un obus à côté de toi. Attention à toi. T'as raison en plus. Il est planté dans le sol. Non. Il fait quel poids? Le mec, il fait genre... Attends, non, mais ça m'intéresse. Mais c'est lourd, ça, non? Il est à combien en virage à plat? Je vais prendre un vermifuge, moi. Oh, c'est quoi ça déjà? Je sais pas, mais je trouvais le nom marrant. Non, mais ça me dit vraiment quelque chose.
Google. Vermifuge. Chat. Ah, ah ouais, non, c'est des trucs pour les vers là. C'est pour. Ah, du coup, je vois des images de vers. Pourquoi t'as dit vermifuge, putain? Ah, y'a des petits vers dans les caca de chat. Tes chats, ils ont des vers ou quoi? Tes chats, ils ont des vers. Ça va être vexant. Tous les membres de l'escouade ne sont pas prêts. Nique ta mère. Y'a Von Nickentrop qui se rapproche dangereusement. Il arrive là. Tu m'excuseras, je te dépasse. Ah, oh, il commence à tirer. Oh non, mais on s'est foncé dedans! Putain, j'ai eu un badge de travail d'équipe, hein. Je pense qu'on a pas mal réussi notre coup, finalement. Même si t'es mort, évidemment. Mesdames, messieurs, nous arrivons en aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Atterrissage dans 20 minutes. Comment on fait pour atterrir? Bah, je sais pas, hein. Je pense qu'il y a un truc sortir les trains d'atterrissage, peut-être. Ah bah, c'est bon, j'ai explosé. Ah bah voilà, tu vois. Still coming out strong. 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 Still